Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 19 août, l'Algérie qui décide d'approvisionner le Liban immédiatement en quantité de fioul afin de faire fonctionner les centrales électriques. Une décision du président de la République largement saluée au Liban. Cinquième jour de campagne électorale ce lundi en prévision de la présidentielle du 7 septembre prochain. L'importance que revêt l'élection quant au renforcement du front interne et la préservation de l'unité nationale soulignée par les trois candidats à la présidentielle. C'était hier lors de la quatrième journée. L'autorité nationale indépendante des élections qui rappelle dans un communiqué les procédures à suivre pour l'organisation des rassemblements et réunions par les candidats ou leurs représentants dans le cadre de la campagne électorale. Les détails dans cette édition. Économie est cette première sociale Algérie qui exporte 25 000 tonnes de tôle d'acier. Vous suivrez le compte rendu de notre correspondant Aouran Mohamed Hamza Belmadani. En Palestine, les exactions sionistes qui se poursuivent, des bombardements de l'armée d'occupation font des dizaines de martyrs et de blessés pendant que les négociations s'enlisent en vue d'une trêve. Du sport, football, entrée en matière réussie pour nos deux représentants en Ligue des Champions africains de football, Moudia d'Alger, le Chabab de Belouizdad qui se sont imposés 2-0 face respectivement aux Congolais de l'AC Léopard et les Libériens du Watonga FC. Et puis le ministre de la Jeunesse et des Sports qui met fin en fonction du directeur général du complexe olympique Mohamed Boudieff pour négligence et manquement dans l'accomplissement de ses missions. Et pour entamer cette édition, revenant avec cette information, l'Algérie qui décide d'approvisionner immédiatement le Liban en quantité de fioul pour faire fonctionner les centrales électriques. Une décision prise hier par le président de la République pour aider le Liban à surmonter cette crise énergétique. Le chef de l'État a chargé d'ailleurs le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui d'informer son homologue libanais Najib Miqati de la décision. Chose faite, c'était lors d'un entretien téléphonique. En réponse à cette décision des personnalités politiques économiques libanaise qui salue la décision du président de la République. Affirmant que cette décision vient exprimer la solidarité et la profondeur des relations fraternelles et historiques liant les deux pays et les deux peuples, le ministre libanais de l'Industrie, Georges Bouchikian, a salué la décision noble, sincère et généreuse de l'État algérien pour l'aider à dépasser cette conjoncture difficile. Nous, Libanais, sommes reconnaissants pour ce geste qui témoigne d'une fraternité réelle. Nous n'oublierons pas ce soutien précieux en ce moment où nous avons le plus besoin de fioul pour faire fonctionner les centrales électriques dans notre pays, a-t-il affirmé. De son côté, le ministre libanais de l'énergie et des ressources hydrauliques Walid Faïd a salué l'initiative de l'Algérie pour rétablir le courant électrique à l'arrêt. L'Algérie a toujours été aux côtés du Liban et n'a ménagé aucun effort pour lui venir en aide pendant ces crises, a-t-il ajouté. Et ce n'est pas surprenant, l'Algérie a toujours été à nos côtés et nous a soutenus dans nos différentes causes, a affirmé de son côté le président du conseil d'affaires algéro-libanais Wissam Haris. Autre réaction, les médias libanais y voient là un geste remarquable. Docteur Raed Al-Masri, journaliste libanais et professeur en relations internationales, joint par Linda Hamad. Nous exprimons notre profonde gratitude envers les gouvernements et la population algérienne pour ces dons généreux destinés au Liban et à son peuple. Ce soutien n'est pas nouveau de la part de la République sœur d'Algérie qui a toujours été présente pour aider les Libanais face à ces crises, qu'il s'agisse de ces difficultés financières ou de ces guerres régionales. Merci à l'Algérie, à son peuple, à ses institutions et à son gouvernement. Et un grand merci au président Abdelmadjid Tebboune. Et pour rappel, avant-hier, la société électricité du Liban avait annoncé que ses centrales électriques ont épuisé leurs réserves en fioul, entraînant un arrêt total de la production d'électricité jusqu'à ce que de nouvelles fournitures soient disponibles. L'actualité chinoise présidentielle du 7 septembre, cinquième jour de campagne électorale ce lundi. Tout à fait, activité de proximité ce matin pour le candidat du Front des Forces Socialistes à l'Akhdaria dans la ville de Buira. Youssef Aouchich animera dans l'après-midi un meeting populaire à Ouzlegen dans la ville de Béjaïa. Deux meetings également au programme du candidat du mouvement de la société pour la paix, Abdelali Hassani Chérif, à Djelfa le matin et à Lerouat dans l'après-midi. Meeting populaire du parti du Front de Libération Nationale à Tizi Ouzou et à Buira. Le mouvement Albina
a opté pour la wilaya de Khenchla et Bojboreridj, meeting populaire du Rassemblement national démocratique à Annaba, et trois escales pour le front El Moustaqbel, Tbessa, Oum Loubouaghi et Sougaras. Hier, dimanche, au quatrième jour de la campagne électorale, le candidat du FFA, Youssef Aouchiche, avait opté pour la ville de Mediana à Ain Defla. Les deux autres candidats ont opté pour la ville des ponts suspendus, Constantine. Celui du MSP, Abdel Hassani Chérif, y a tenu une rencontre de proximité. Le candidat indépendant, Abdelmajid Tebboune, y a animé son premier meeting de campagne. Opération de séduction électorale et mobilisation de l'électorat à l'étranger. C'est d'ailleurs la mission à laquelle s'attellent également les représentants de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. L'exemple en France aujourd'hui de Paris, une correspondance de Camélia Fatiha. Dans cette perspective, Mahmoud Siad, délégué de l'autorité nationale indépendante des élections à Bobigny, a affirmé que l'instance a œuvré à la mobilisation des moyens humains et matériels afin de garantir le bon déroulement de la prochaine échéance électorale comme au pays. Nous avons rassemblé au sein du consulat l'ensemble du corps associatif qui est situé en Saint-Saint-Denis pour les rassurer et leur donner toute information nécessaire pour que l'électeur aujourd'hui puisse venir voter avec les mêmes conditions qu'en Algérie. L'ensemble des concitoyens interrogés à l'issue de leur participation à la rencontre ont fait part d'une seule et même conviction. Elle a été illustrée par cette phrase: on est toujours là malgré la distance qui nous sépare, présent pour répondre à l'appel de la patrie. Ne laissez pas cette occasion d'exprimer votre voix et de voter pour l'Algérie pour un meilleur avenir, Inch'Allah. Depuis l'âge de 18 ans, je réponds à l'appel de la consultation nationale et donc on participera, comme les fois précédentes, à mobiliser notre communauté, à faire œuvre d'action pour l'intérêt de la nation. C'est un devoir de vous exprimer pour notre patrie. Tahia al-Jazayir, wa touteri, viva l'Algérie. Il est à noter que la participation de la communauté algérienne établie dans l'Hexagone à la réussite du prochain rendez-vous électoral témoigne de son attachement à la mère patrie et à sa détermination à apporter sa pierre à l'édifice dans la perspective de construire une Algérie moderne et fidèle à ses principes fondateurs. Paris, Camélia Fatiha, Al-Jishan 3. Et à propos de meeting, l'ANI qui rappelle les procédures à suivre pour l'organisation des rassemblements. Rassemblements et réunions par les candidats ou leurs représentants dans le cadre de la campagne électorale. Nabila Hossine, bonjour. Bonjour, oui, l'autorité nationale indépendante des élections a rappelé les procédures à suivre et à respecter. Parmi elles, la demande d'organisation d'un rassemblement dans le cadre de la campagne électorale qui doit être présentée par le représentant du candidat dûment habilité auprès des services de la wilaya concernée. L'autorisation de la réunion publique qui est accordée par les services habilités de la wilaya après parachèvement des procédures conformément à la législation en vigueur. L'autorisation accordée par les services de wilaya détermine la durée de la réunion publique en prenant en considération les conditions climatiques en cas de demande de décalage de la clôture de la réunion à une heure tardive de la nuit et les réunions publiques organisées dans le cadre de la campagne électorale qui doivent être au nom et au profit exclusif du candidat à l'élection présidentielle anticipée. 8h27 minutes, performance économique et une première pour l'économie algérienne. Le complexe sidérurgique de Tossé Ali à Oran qui a procédé à l'exportation de 25 000 tonnes de tôle d'acier. Une première pour l'Algérie. Oran, notre correspondant permanent sur place, Mohamed Hamza Belmadani. La production a commencé en mai dernier suite à la mise en service d'une nouvelle unité qui représentait la première phase d'un important investissement. Une quantité de 25 000 tonnes de tôle d'acier a été exportée durant le mois en cours. Il est à rappeler qu'en juillet dernier, le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a indiqué que Tossé Ali exportera 150 000 tonnes de fer vers l'Espagne. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jaishan 3. Et de telles opérations d'exportation confortent les démarches entreprises pour sortir de la rente pétrolière et promouvoir ainsi les exportations hors hydrocarbures. C'est le thème auquel s'intéresse Rim Boukadoum ce matin. Encourager les exportations en hydrocarbures, diversifier les ressources de revenus et promouvoir la production nationale passe par la création d'une synergie entre les acteurs concernés, selon Tarek Boulmerka, président de l'Association nationale des exportateurs algériens. Voir des investissements, y avoir des réflexions, tous les ministères doivent travailler en collaboration. Et ce que j'attends personnellement du nouveau élu, c'est ce qui nous manque, nous, en Algérie, c'est le transport aérien. Il faut le renforcer ou bien maritime. Adopter une gestion optimale et numériser l'administration
formation un point important pour accompagner les opérateurs économiques dans leur démarche d'exportation. Toufir Hadkril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. On aimerait bien que la numérisation puisse se faire davantage, premièrement avec la douane, deuxièmement avec Air Algérie, c'est-à-dire avant de leur envoyer la marchandise, on leur a envoyé numériquement toutes les données relatives à notre dossier et à l'exportation, c'est-à-dire qu'ils nous mettent un mail ou bien une plateforme numérique et on leur envoie tout ça, la facture finale, toutes les informations relatives à l'opération d'exportation. De cette manière-là, on n'a pas à se déplacer physiquement. Ces petites économies de bout de chaîne qui font qu'on arrivera réellement à lancer l'exportation. Un chantier est lancé depuis quelques années pour le renforcement des lois, l'assainissement du climat des affaires, la réforme bancaire et l'instauration des instruments et mesures attractifs pour la promotion de la production nationale et l'exportation. Ce 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. L'Algérie, qui compte parmi les pays pionniers en matière de soutien à l'action humanitaire, affirme le CNDH. Le Conseil national des droits de l'homme, qui se félicite de l'arsenal législatif et réglementaire, danse d'ailleurs dans ce domaine. On citera entre autres l'exemption de la TVA des marchandises expédiées à titre de dons dans un communiqué rendu public. À l'occasion de cette journée, le CNDH a indiqué que l'Algérie est parmi les pays pionniers en matière de soutien à l'action humanitaire et l'élargissement des flux d'aide humanitaire, particulièrement au profit des civils en proie à la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien, y compris à la politique de famille. Le Conseil a également rappelé que le vote unanime de la communauté internationale en faveur d'un projet de communiqué conjoint initié par la mission permanente de l'Algérie à New York, lequel insiste sur le besoin urgent d'acheminer les aides humanitaires à Gaza en raison de la détérioration de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Justement, direction Gaza, où l'armée sioniste impose une 12e déportation de la population civile. Affrontements ont eu lieu également à Khan Younes et à Dir el-Balah après deux attaques de la résistance palestinienne, l'une à Bar-On, l'autre à Tel Aviv. L'ONU, elle parle de trois soldats de la Finule blessés au sud Liban. Tels sont les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures, Linda Bebsa. L'armée israélienne maintient la pression militaire sur Gaza et poursuit sa campagne de bombardement aérien. La défense civile à Gaza fait état de nouvelles frappes à Jabalia et à Deir el-Balah, où un missile a tué plusieurs familles et une mère et ses 6 enfants. Sur le terrain des combats, la résistance palestinienne enregistre des résultats spectaculaires à Khan Younes et à Deir el-Balah, justement, dans ses affrontements avec l'armée d'occupation, qui annonce qu'un deuxième réserviste, le major Yotam Yitzhak Peled, vient d'être tué par une bombe cachée en bord de route à Gaza. Autre revers pour le gouvernement Netanyahou, l'agent de police israélien Gidon Peri, victime d'une attaque au marteau à Bar-On, vient de succomber à ses blessures. Le combattant palestinien a pris la fuite après avoir volé l'arme de l'agent de police. Au même moment, un camion a explosé à Tel Aviv après le dépôt d'une bombe par un militant palestinien sur ce véhicule. L'explosion a fait un mort et plusieurs blessés. Au Liban, trois casques bleus de l'ONU ont été blessés dans une explosion survenue près de la frontière de la Palestine occupée, où les échanges de tirs sont quotidiens entre les Hezbollah et Israël. L'agence de presse nationale libanaise rapporte que des avions de combat de l'ennemi israélien avaient frappé la veille le village de Dayara, 1 km de Yarin, faisant plusieurs blessés. Les derniers bombardements du mouvement libanais ont visé une nouvelle base militaire, un site d'artillerie appartenant à la 411e escadron, avec un escadron justement de drones qui a fait des blessés et des bombardements qui ont provoqué plusieurs incendies, y compris à Kafr Chouba. Par ailleurs, un drone de Hezbollah a filmé des sites sensibles à Haïfa. 8h32 minutes, volley sport, football dans cette édition. Entrée en matière réussie pour nos représentants en compétition continentale. En match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africains, le Chabab de Belouizdad et le Wydad d'Alger se sont imposés tous les deux par 2-0 face respectivement aux Congolais de la Céléopard et les Libériens du Batanga FC. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdrahman Hamad, a mis fin hier aux fonctions de Smaili Mohamed Saïd, directeur général du complexe olympique Mohamed Boudiev, pour négligence et manquement en relation avec l'état du stade de Nelson Mandela et de sa pelouse, où s'est déroulé d'ailleurs le match du Moulia d'Alger. Le ministre a également chargé Yassine Rada de gérer le complexe olympique. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.